Yo BG, j'espère que cette vidéo va te plaire et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Donne aussi ton avis dans les commentaires si tu en as envie, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te souhaite un bon visionnage. Cousi Monsieur, monsieur, vous voulez faire un tour dans le bolide? Vous voulez rouler mon bolide pour m'excuser? Ah bah montez, montez avec moi. Voilà, excusez-moi encore monsieur, je vous ai vraiment pas vu, j'ai débouché à toute allure sur la route. Vous voulez... Vous faites quoi dans la vie? Oula monsieur, attention. Moi je voulais vous faire voir ce que je fais dans la vie, je suis fermier. J'ai un petit potager et tout, vous voulez le voir? Attendez, on va aller à mon chalet. Oh, désolé pour ma conduite, je viens d'avoir il n'y a pas longtemps mon permis dans un Kinder Surprise, donc c'est un peu difficile. Hein. Maintenant, on va aller voir mes tomates à l'arrière. Faut que je fasse gaffe, gros. Oh, mais qui c'est qui a écrasé mes tomates, là? Il n'y a plus rien. C'est quoi ces bruits? Vous avez entendu? Venez, 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 venez. Chérie, t'es où? Chérie, cousi, cousi. Ah, je crois qu'elle est en haut. Vous voulez voir ma femme? Voulez voir ma femme, monsieur? Bah, attendez, si vous voulez pas la voir, vous me le dites. Moi, je vais juste la voir, je reviens 2 minutes. Oui, j'ai amené quelqu'un là. Attends, je vais le chercher là. Vous voulez venir, monsieur? Vous faites quoi, monsieur? Vous me faites peur, monsieur. What? Monsieur, monsieur, mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît, juste, je veux voir quelque chose dans votre dos. Vous avez quelque chose dans votre dos, monsieur? Attendez, je vous l'enlève. Mais what? Vous étiez un bon coup, monsieur, hein? Vous avez aimé ça? Mais what? Mais des bébés explosifs, les gars, what? C'est quoi ce délire? Alors, mon chou? On se refait ça bientôt? Vous voulez qu'on refasse une petite position, monsieur? C'était très agréable. Non, ça va aller. Oh, au bord de l'eau. Ce serait tellement érotique. Ceux qui veulent faire, qui veulent tourner un film pornographique, c'est maintenant. Je recherche des gens pour tourner un film pornographique. Montez, montez dans le véhicule pour le film pornographique, mesdames et messieurs. Ce sera une scène d'orgie, j'ai besoin d'une femme. Ah bah montez madame. Montez madame, montez, montez, montez. Vous allez tous les trois vous préparer là. On va faire, nous allons faire ce film dans cet hangar et ça va s'appeler le film, je pense qu'il s'appellera Les Baiseurs de l'espace. Pourri à mort. Venez, on va aller là-dedans là pour plus d'intimité. Enfin bah alors venez ici, faites un voilà un carré, venez ici monsieur, allez, venez, venez, venez. Voilà. Et vous monsieur le cuistot, venez avec moi là. Venez avec moi monsieur. Bon, on va aller au centre du carré, venez avec moi. Baissez votre pantalon monsieur le cuisinier s'il vous plaît. Attention, je vais juste vous mettre un peu de comment dire un peu de vaseline et compagnie hein, bien sûr pour que ça glisse un peu plus. Voilà. Attention! Regardez-moi ces coups de bidoche là! Voilà,
c'est comme ça qu'on fait, voilà, mesdames et messieurs, là. Attention, bébé explosif! Mais... vous aussi, vous voulez? Allez, c'est la fiesta, là! Allez! Allez, venez toucher, mesdames et messieurs, venez toucher, venez regarder ça de plus près, là! Venez regarder ça de plus près! Oh là, ils ouvrent la porte! Eh, hey, monsieur le policier, venez, j'ai une plainte... J'ai une plainte à déposer, monsieur le policier, parce que j'en ai marre, là. J'en ai marre qu'on me traite de gros, là. J'en ai vraiment ras le cul. C'est où pour déposer des plaintes, monsieur? Bah, j'aimerais pas te dire ça ici, parce que c'est assez gênant, en fait, ce qui m'est arrivé, donc... D'accord. Donc déjà, monsieur, j'en ai ras le cul qu'on me traite de gros. Donc déjà, je sais pas si vous avez entendu, avant, on m'a traité de gros, hein. Donc c'était assez énervant. Par contre, attendez, il fait quoi le monsieur armé derrière vous, là? Monsieur? Moi... Wow, 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 il s'est passé quoi, là? Il a sorti... Bien sûr. Bon, monsieur, 20 000 euros, on ne reparle plus de ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Attendez, on monte en bas, c'est plus discret. On monte en bas, d'accord. Ouais, bien. Ouais, j'ai du mal un peu. Ah, oui. Ah, mais, ah ouais, non, mais en fait, par contre, je croyais que j'avais encore les 20 000. Non, mais j'ai que 4 000. Bon, bah, rip. 4 000, ça suffira. Ça suffira? Ah, d'accord. Tenez, monsieur, merci beaucoup, c'est très gentil. Par contre, croyez-moi, monsieur, j'ai vraiment le sexe qui me démange. Vous voudrez pas juste... Aïe! Merci, messieurs les policiers. J'admire encore une fois votre travail. Passez une très bonne journée. Et que Dieu bénisse vos pénis, messieurs. Merci. Merci encore, monsieur l'agent. Passez une très bonne journée. Vous avez vu quand même comment de 20 000 on est passé à 4 000? Voilà, bonjour messieurs. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Je viens pour prendre juste un entretien avec monsieur le maire, en fait, s'il vous plaît. D'accord, je... oui, mais l'ascenseur, je peux rester ici, vous me surveillez, y'a pas de soucis, parce que l'ascenseur, on a déjà été bloqué 3 fois à cause de mon surpoids, messieurs. Vous avez pas une salle d'attente un peu plus loin sinon? Non, non. Je suis obligé de partir. Je suis obligé de... Oh putain, c'est triste. Ouais, mais vous savez, je commence à en avoir marre. J'aimerais parler avec le maire pour instaurer des lois parce que j'en ai marre que je me fasse insulter gratuitement juste à cause de mon physique, vous savez. C'est vraiment horrible. Non, non, vous êtes très beau, monsieur. Ah bah merci. Voilà. Bah, vous savez quoi? Et ça m'émoustille, ça émoustille même mon petit pénis, vous savez. Ça me donne envie de le prendre comme ça là dans les mains là tout de suite, d'aller derrière le maire et de... Mmh, chocolat. Mes petits bébés explosifs. Les bébés explosifs, c'est les meilleurs, gros. Oh putain.